Ce matin, je me suis de nouveau attelée à mes révisions. J'ai terminé toutes mes fiches sur The Tempest de Shakespeare. Donc j'ai fait fiche personnage la veille. Et là, j'ai fait toutes les fiches concernant le déroulement de l'histoire et les analyses, ce genre de choses, les points importants. Donc voilà, j'ai tout fini. Et l'après-midi, j'ai également fini une fiche sur un chapitre d'histoire. Franchement, je trouve que je m'en suis bien sortie, j'ai respecté mon planning et c'est cool. J'ai profité du fait d'avoir terminé mon planning de révision plus tôt pour pouvoir ranger un petit peu ma chambre et voilà, j'ai bougé quelques meubles, mais c'est pas 100% satisfaisant encore, donc je vais voir ce que je peux faire. Et on souhaite un bon anniversaire à Arnaud. Wouhou, il a 16 ans. Oh, ouf. Ça pique, hein. Le coup de vieux, ouais. Hier, on m'a dit dans les commentaires, « Wow, quelle grosse collection de mangas !» Et en fait, c'est la collection c'est la de mienne. Mon frère. Alors, on a tout, enfin pas tous, parce qu'il en manque quelques-uns, mais des DVD de Dragon Ball Z dans la vieille VF des années 90. À l'époque où ils disaient Sangohan, Sangoku. Avec quelques figurines pop, dont figurines de Goku enfant que Clo avait acheté pour mon anniversaire ou Noël. Suite, pas très important. Suite, bah, y a tout le côté Dragon Ball, parce que Dragon Ball, c'est la vie, on dirait le chef. Avec Goku Milk et Goku qui s'apprête à se battre contre Vegeta. Les éditions doubles qui sont des très bonnes éditions. Il y a aussi les tomes de Evangelion, je les ai pas tous, mais... ça ne saurait tarder. Pokémon La Grande Aventure, bien meilleur que l'animé. Et The Promised Neverland, GTO, Genshin le Vagabond, Les Trois Mousquetaires en version manga, qui est très bien. Code Geass aussi, il y a les DVD. J'ai d'autres mangas aussi, mais le truc c'est que il y en a que je collectionne plus, j'en ai sous Little. Mais voilà, c'était mon haul manga. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. Hein. Exactement. Yes. Tous les soirs, ou presque tous les soirs, quand je regarde les vlogs de Galatée, je danse sur la musique d'intro parce que je la trouve trop bien. Bref, j'espère que d'ici demain, cet épi monstrueux qui m'a suivi tout le week-end va se calmer et comprendre qui est-ce qui décide ici, c'est-à-dire moi. Je vais finir de regarder le vlogmas numéro 8 de Galatée et puis je vais aller me coucher parce qu'il est bientôt 22h et bah, ça suffit les bêtises quoi. Et demain, je me lève tôt pour aller réviser à la BU. Et demain, c'est aussi ma dernière journée de cours du semestre. Et après, j'ai plus cours du tout. Je vais récupérer ma note du devoir de phono. Et je crois que c'est une catastrophe. Donc si je pleure demain, ça sera normal. J'espère quand même que je suis pas trop loin de la moyenne, quoi. À demain, les amis. Bonne nuit. Portez-vous bien. Plein de gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Putain, j'ai 47 ans, quoi.